Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir pour tous. Donc aujourd'hui, on va aller peut-être un peu plus vite parce que la dernière fois, c'est vrai que j'ai trouvé que j'étais un peu lent sur l'outilling, mais il me semblait important de, comment dire, de bien insister sur les inférences, sur l'outilling. Vous verrez que l'outilling est un outil très intéressant. Alors pour l'instant, je fais des trucs très basiques. Il faut bien comprendre, c'est comme un laboratoire, hein, c'est. Je ne vais pas vous expliquer comment dessiner des modèles, on n'en est pas là pour l'instant, je veux juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on va s'amuser à utiliser l'outil, par exemple, on va prendre la touche R, hein, pour faire un carré ou un rectangle. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez marrant, SketchUp, c'est que si vous regardez, voilà, là il vous montre carré. Donc là, ça veut dire j'ai un carré parfait. Alors là, vous voyez, il y a un petit souci, j'ai complètement oublié de le changer, c'est que je suis dans les cotations et je suis en pouces. Évidemment, c'est pas ce qui vous intéresse. Alors, ce qu'on va faire, parce que la dernière fois, si vous vous souvenez, dans l'information, je disais oui, on peut changer les mesures, on peut se mettre en mètres, en centimètres, en millimètres. En fin de compte, il suffit d'aller dans Fenêtres et vous allez sur Info sur le modèle. Dans Info sur le modèle, vous avez plein de petites informations, mais pour l'instant, on va pas en parler. Peut-être qu'on n'en parlera jamais, je ne sais pas, on verra selon ce que je suis en train d'expliquer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les unités. Et là, les unités, vous avez différents types. Vous avez l'architecture, décimale, ingénierie, fractionnelle. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est décimale. Donc vous sélectionnez décimale et on va se mettre, pour changer un petit peu, en centimètres. Vous avez une précision qui est en fin de compte deux nombres après la virgule. Là, voilà, je ne vais pas aller plus loin au niveau de l'explication, ça suffira pour l'instant. Vous cliquez ici et on peut maintenant continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce petit rectangle qui a déjà été conçu avec la gomme. Soit touche raccourci E, soit vous cliquez sur l'icône gomme. Et là, vous voyez, on laisse appuyer notre bouton gauche de la souris et on supprime le petit carré. Donc, pour créer un carré, comme je disais tout à l'heure, vous avez ici, vous avez un carré parfait. Vous voyez, SketchUp vous le dit. Vous avez aussi ce qu'on appelle un rectangle d'or. Rectangle d'or. Alors pour SketchUp, a priori, ou si vous regardez sur Wikipédia, ça veut dire que c'est un rectangle parfait. Là aussi, bon, j'ai pas trop d'explications pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez créer un rectangle. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que si vous cliquez sur un rectangle, comme l'outilling la dernière fois, vous pouvez, là au niveau des cotations, maintenant vous voyez c'est en centimètres, vous pouvez définir vous-même votre carré. Imaginons, je veux un carré de 40 cm. Vous cliquez sur la touche tabulation, vous tapez 40, bon, disons 40,5 pour bien vous expliquer les virgules. Virgule 5, point virgule qui sera le séparateur. En fin de compte, vous êtes en train de définir la longueur et la largeur et vous tapez, puisque vous voulez un carré, 40,5 et vous faites entrée. Et là, vous avez un petit carré, je vous l'accorde, mais vous avez votre petit carré. Voilà, donc là je vous en dirai pas plus sur le carré, il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. On verra peut-être des subtilités en temps voulu, mais ça suffit pour l'instant. Maintenant, on va utiliser l'outil cercle. Alors, l'outil cercle, pardon, je me suis trompé. Je n'ai pas activé. Donc, on va faire affichage, palette d'outils, grand jeu d'outils, afin d'avoir l'outil cercle. L'outil cercle, c'est pareil. Vous pouvez cliquer, vous sélectionnez, pop, vous avez votre cercle. Mais là aussi, il faut savoir, vous pouvez définir, quand vous cliquez, vous pouvez définir avant tout le rayon. Admettons, je veux un rayon de 30 cm. Vous cliquez 30, vous avez 30. Vous pouvez aussi définir, là je ne sais plus comment ça marche. Donc on va quitter, on va réfléchir. Ah, voilà. Voilà. Pour le cercle, vous pouvez aussi définir. Les côtés de votre cercle, c'est qu'actuellement vous avez 24 côtés, mais des fois vous avez besoin de faire un cercle bien plus fin. Donc vous pouvez faire par exemple un cercle de 12 côtés, donc là ce sera un cercle grossier. Vous cliquez, vous voyez, vous avez un cercle avec des carrés, enfin bon, c'est pas beau quoi. Là aussi, regardez l'inférence, c'est extraordinaire. Moi je vois depuis que je travaille sur la version 8 et je vois maintenant la version 16, oh, les inférences sont vraiment waouh, une aide précieuse. Vous voyez, vous pouvez directement aller au centre, faire un nouveau cercle, enfin, c'est vraiment très extraordinaire par rapport à ça. Donc revenons à nos moutons. Nous cliquons sur un cercle et nous voulons maintenant, imaginons, un cercle de 48 côtés. Vous tapez 48 et là vous aurez un cercle de 48 côtés. Alors maintenant vous voulez en centimètres un rayon de 90 cm par exemple, vous aurez un cercle de 90 cm. Vous n'êtes pas obligé de marquer
Comment dire? Parce que vous verrez, à chaque fois que vous faites un cercle, on va refaire un autre cercle, vous voyez, vous avez marqué CM. Donc actuellement, on est dans les unités en centimètres, mais vous pouvez le forcer à dire en mètres. Donc il suffira de marquer 40 m pour mètre. On va le faire de suite. Donc on va mettre pas 40, on va mettre 2 m. Là, vous aurez un cercle de 2 mètres. Un rayon de 2 mètres, pardon. Donc moi, j'avoue, je m'en sers pas trop souvent. Je sais que mes unités sont en centimètres. Par exemple, si je vais vouloir dessiner, je sais pas, moi, une table, une chaise, un écran d'ordinateur, une guitare, enfin, tout ce qui peut me passer sous la main, je sais déjà le style que je vais vouloir faire. Par contre, si je vais vouloir faire un bâtiment architectural, par exemple, je sais pas, un immeuble ou choses comme ça, alors, bien évidemment, je vais être en mètres. Mais très souvent, vous pouvez être en train de faire un bâtiment qui va faire plusieurs mètres, plusieurs même dizaines de mètres, mais à côté, vous voulez vouloir faire les fenêtres ou les gonds ou les choses comme ça au niveau des portes, ben là, il faudra bien passer en centimètres pour avoir quelque chose de plus précis. Ça, bien évidemment, j'en parlerai plus tard. Alors ensuite, on va continuer un petit peu et on va jouer maintenant avec l'outil. Alors attendez, je réfléchis, excusez-moi. Donc on a le zoom, on l'avait vu la dernière fois, rappelez-vous, il suffisait avec la molette de la souris d'avancer ou de reculer pour avoir le zoom. Vous avez ce qu'on appelle aussi le zoom étendu. Alors imaginons que je suis comme ça, je clique ici sur le zoom étendu. Et là, vous voyez, ça vous permet d'avoir la globalité de votre dessin dans la fenêtre. C'est très pratique quand vous voulez savoir un peu où vous en êtes. Ensuite, vous avez aussi l'outil qui permet de zoomer sur une partie. Là, ça vous permet de travailler en finesse sur la partie qui vous intéresse. Vous pouvez revenir au zoom étendu en cliquant sur Shift Z, qui va vous redonner automatiquement le dessin dans votre globalité. Ensuite, donc les autres outils, j'en parlerai pas. Vous avez aussi l'outil ligne. Alors c'est pas l'outil ligne, c'est en fin de compte c'est l'outil. Vous voyez, je sais même pas comment il s'appelle. C'est main levée. Alors ça, c'est très pratique quand vous voulez faire quelque chose. Bah, vous voyez, par exemple, je veux dessiner n'importe quoi. Hop, je dessine une forme, hein, vraiment au hasard. Voilà. Et là, ma forme est terminée. Si je clique dessus, elle est bonne. Avec l'outil tirer pousser qu'on a expliqué précédemment, vous cliquez ici, hop, vous avez une forme sympathique. Vous pouvez faire des superbes trucs. Vous allez voir avec l'outil main levée, le tirer pousser, on peut faire vraiment des superbes trucs. Ça, c'est assez impressionnant pour ça. Alors ensuite, on va finir sur une autre petite touche, c'est-à-dire qu'on va reprendre le rectangle, on va lui faire un tirer pousser. Et ce que je n'ai pas expliqué, ce qui est assez important aussi, c'est on sélectionne une arête. Alors on va sélectionner une arête comme ça, donc soit barre d'espace, soit avec l'outil sélectionné. Et on va prendre la gomme et on va lui demander de supprimer. Et là vous voyez, votre cercle est complètement. Enfin, pas votre cercle, pardon, votre carré ou votre rectangle est détruit, il n'y a plus rien. En fin de compte, il faut savoir que quand vous tracez une ligne, quand vous supprimez une arête ou une ligne entre ces deux-là, il va supprimer les faces qui sont connectées, c'est-à-dire en l'occurrence la face dessus. Et la face et la face avant. Si vous voulez refaire ou recréer ce rectangle ou ce carré, vous cliquez ici et vous faites automatiquement, vous reconstruisez, pardon, votre rectangle ou votre carré. Ça sera très utile par la suite, vous verrez, c'est assez intéressant de voir que des fois on détruit sans faire exprès des formes, on dit, ah zut, je voulais pas faire ça. Bah, il suffira tout simplement de reprendre, vous voyez, de refaire ça et automatiquement celui-ci se crée. Voilà, bah je pense que je vais arrêter là pour les formes simples, ça suffira pour l'instant. Et on verra peut-être plus en précision la prochaine fois l'outil arc de cercle. Remarque, si on pourrait peut-être regarder maintenant l'arc de cercle. Alors l'arc de cercle, c'est la touche A. Il suffit de sectionner la longueur. Vous voyez, là aussi dans la barre d'état, vous avez la longueur qui s'affiche. Donc vous avez un premier point à sectionner, un deuxième point, et après vous avez l'angle de courbure. Donc là aussi, vous pouvez définir, mettons, je veux 60 cm. Et automatiquement, vous aurez un angle de courbure. Là aussi, vous voyez les inférences SketchUp. Là aussi, on peut sélectionner à un moment clé. Il vous dit, bon voilà, à partir d'ici, je peux refaire, si vous voulez, un autre arc de cercle. Ça servira très souvent. L'arc de cercle, je m'en sers très souvent pour faire des profilés. Là, nous verrons ça plus tard avec l'outil Suivez-moi, mais c'est une autre histoire. Voilà, bah je pense que ça suffit pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine leçon. Bye bye.